Aliénor Labi, bonjour. Bonjour. Alors, on est au direct de l'atmosphère. Place Rigaud, ouais. Place Rigaud, le Bella Ciao. Est-ce que tu as une gueule d'atmosphère? On le saura après. Donc, tu es ici pour boire, mais pas que. Tu exposes, pas toi, mais tes œuvres. Non, on en voit une là. Une dizaine. Une dizaine, c'est ça. 10 dessins. Réalisé sous tablette graphique, hein, donc ouais. des personnages steampunk, ça fait trop bizarre quand on parle. Et du coup, voilà, à découvrir à l'atmosphère ce soir. Le vernissage est à 19h. Donc c'est dans vachement pas longtemps. C'est dans 10 minutes ou 20 minutes, je crois. Ouais. Et à 21h, on a Joy Rage qui va faire un concert. Voilà. Voilà. Alors, steampunk, c'est quoi pour rappeler aux gens Alors, le style steampunk, c'est un style, en fait, le côté steam, c'est tout ce qui est machine, vapeur, ouais. Machine à vapeur, voilà. On voit souvent des enrouages, etc. Ouais. Enfin, voilà, c'est le côté steam. Les engrenages, peut-être. Les engrenages, pardon. et voilà, c'est inspiré aussi du style victorien, un peu de renaissance, un peu de cyberpunk aussi, voilà, donc c'est un mélange de tout ça dans les dessins. Donc c'est de la science-fiction. Oui, voilà, c'est un peu c'est un côté futuriste un petit peu, voilà. Avec des éléments passés. Voilà. Alors, tu avais déjà fait des mugs dans ce style-là, je sais que j'en ai deux à la maison. Oui. Ça marche cette esthétique. Il y a eu un film des frères Wachowski qui est sorti sur un sujet là, juste là. D'accord. Okay. Avec des villes à roulettes qui en bouffent d'autres. Ah oui, c'est pas non, ça n'a rien à voir. Machine. Engin là. D'accord. Ok. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est vraiment univers steampunk. Bah voilà. Ça définit bien cet univers-là. Et oui, il y avait des mugs. C'était la première fois que je montrais ces dessins. Ça a été des impressions sur mugs. Et il y en aura d'autres. Pas tout de suite, mais prochainement, je compte en faire parce qu'il y a deux nouveaux dessins dans cette expo. Alors, est-ce que c'est pas celui qui est juste à côté ou c'est... Il y en a un qui est juste à côté, oui, et un qui est à l'entrée de l'atmosphère. Ouais, et avec une fille qui menace la fusée. Et donc cette expo, enfin les premiers dessins datent d'il y a 2 ans déjà. Ouais. Donc voilà, donc on peut voir que les deux derniers là que j'ai créés, le trait est un peu différent. L'approche est un peu différente, ça reste dans l'esprit steampunk, mais on peut noter une petite évolution. Quoi. Voilà. Est-ce que tu comptes en faire un bouquin à terme? Non, par contre des cartes, oui, des cartes de jeu, je pense que ça peut se faire. Des cartes de jeu, peut-être. D'accord. Oui. On verra. Alors, voilà. Sinon, tu fais toujours de la musique? Je sais qu'on est musicienne, moi aussi. Oui, on continue avec The Last Station, on répète. On va faire, pendant les vacances, si tout va bien, on va faire des enregistrements, dont de 3 nouvelles compos. Ouais. Voilà, avec des anciens pour faire découvrir l'avancement musical. Les concerts, pas trop, c'est difficile sur Perpignan, donc il va falloir peut-être bouger un petit peu ailleurs pour jouer. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais on a des tuyaux. Donc peut-être prochainement, j'espère, ce serait cool. Voilà. Est-ce qu'on a oublié un truc dans ta production qui est large, vaste? T'as un atelier, tu as... J'ai mon atelier chez moi, oui, voilà. Et je fais du théâtre maintenant, voilà. Plus. On peut te voir jouer à un moment donné? On bosse une pièce avec la troupe pour un spectacle, ça sera en avril. D'accord. Voilà. Enfin, une pièce, ouais. On se reverra d'ici là. Voilà, exactement. Aliénor Romanoulou, merci. Merci.